L'homme qui fait la valise. Raymond Devos. Dernièrement, je prends le train. J'entre dans un compartiment, je vais pour mettre ma valise dans le filet. Il y avait déjà quelqu'un. Je lui dis, qu'est-ce que vous faites là? Il me dit, j'attends. Moi, vous attendez quoi? Qu'on vienne me retirer. Qui êtes-vous? Je suis une valise. Moi, une valise? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes une valise? Lui, vous ne voyez pas? J'ai un côté cadre. Il dessine dans l'espace une figure géométrique. Je n'arrive pas à me recycler. Moi, dites donc, vous vous portez bien, vous? Bof, je me porte comme une valise. J'ai des hauts et des bas. Mais avant d'être une valise, vous étiez bien quelqu'un. Oui, j'étais un voyageur sans bagages. Et alors? Et alors, le jour où j'en ai eu assez, j'ai fait la valise. Quel jour? Le jour où ma femme a fait la malle. Moi, vous avez de la famille? J'ai une sœur. Je pourrais peut-être la prévenir qu'elle vienne vous chercher. Pensez-vous, elle n'est pas assez grande pour voyager toute seule. C'est une toute petite valise. Il faut toujours la tenir par la main. Qu'est-ce que vous trimballez? Que des effets personnels. Mais enfin, mon vieux, réfléchissez, vous ne pouvez pas être une valise. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'étiquette. Oh, quel ballot je fais. Il est allé s'en acheter une.